Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis à l'aéroport en direction là, pour prendre le vol en direction de l'Italie, alors que je vais courir sur le circuit de Mugello dans la Coupe européenne de voitures d'endurance prototype avec l'écurie Virage. C'est depuis 2019, le groupe à l'infini, Martine Girard, avait des contacts pour que je puisse courir dans ce genre de voiture. Malheureusement, on sait ce qui est arrivé. La pandémie est venue quand même causer bien des ravages. J'y ai pas échappé. Sauf que, vous voyez, c'est les choses évoluent et grâce justement à ce qu'on a vécu à Trois-Rivières, eh bien, ça nous a permis d'avoir cette invitation. Écoutez, je vis un rêve. C'est comme si j'avais 18 ans. Encore une fois, là, c'est pour moi un grand plaisir. C'est sûr que je suis conscient que je m'en vais à l'école parce que on va avoir quand même une voiture toute nouvelle, un circuit que je connais pas. Juste avoir les il y a plus d'ingrédients sur le volant qu'il y en a sur une pizza. Donc j'ai tout ça à apprendre, mais pour moi c'est vraiment Noël avant le temps. Donc je vais savourer le moment. Je dirais que si je regarde l'enjeu, ben c'est simple, c'est de donner le meilleur de moi-même. Puis c'est ça que j'ai fait depuis les deux dernières années en m'entraînant physiquement, mentalement, sur le simulateur. Donc, j'ai juste hâte de mouler mon siège demain. D'ailleurs, on va vous présenter la voiture sur les médias sociaux. En même temps, ben, vous allez avoir un lien, vous allez pouvoir écouter la course qui va avoir lieu dimanche. Donc, jeudi, vendredi, samedi, des essais, dimanche, qualification, course. Donc, une semaine de rêve pour moi. Je vous remercie de votre support et puis ben, je vous dis de passer une belle semaine et puis on se reparle prochainement.